KS, the best swag nigga. Dans cette vidéo, ça, je dis à nous pour le moto comme KIT ID sur River 2. On a cliqué sur Talkback Inventions. On a cliqué sur Talkback. On était off, ok. Ok, on a pas avancé. On a swipe yon L. On a cliqué sur Text to Speech Out. Ok. On a cliqué sur Seeding. Ok, nous allons aller à côté. Nous allons à côté gauche là. Ok, quand on a descendu, nous allons ouvrir mémoire. Nous allons aller dans Storage. N'a pas campé Talkback là pour pas ennuyer nous pour pas nos problèmes. OK, nous va aller dans storage, stockage. OK, pour on ouvrir application storage, nous va dans explore. N'a pas cliquer sur explore. Pour on cal ouvrir carte mémoire. N'a pas avancé. On va checker un memory card. On checker un carte mémoire pour me faire ça me besoin faire. Ok, je clique sur Explore. Ok, je vais ouvrir 4 mémoires. Nous sommes là, il y a 4 mémoires. Sur lui. Ok, je vais mettre 4 mémoires bien rapide pour me faire ça. Je vais prendre un petit patience pour me chercher 4 mémoires et puis pour m'ajuster 4 mémoires sur le téléphone. Non? Pour me prendre un fichier que j'ai besoin et une application. Ok. On va avancer. On va avancer toujours. Après, on petit patience. On va finir mettre 4 mémoires disponibles. Et puis, pour mon café, ça va faire. On va voir. On va suivre avec. Ok, on va suivre avec toujours. On va suivre avec. Ça, c'est comment on va retirer l'ID sur un. Coolpad River 2. Ok, en français, on a dit Revel 2. Ok, on va avancer toujours. Bon, quand on a mis mes mémoires disponibles, puis on prend un Egi ou bien un Peg. Bien, un objet qui a un point filé ou bien un objet qui est vraiment pointu. Nous avons une mémoire, quand on a sorti socket. Qui pour mémoire socket memory card là n'a sorti et puis n'a mettre mémoire là dedans après ça pour nous qu'à prendre application qui nécessaire pour nous installer c'est bien rapide on va prendre temps on prend un petit patience on va retirer mémoire sur un autre téléphone pour me utiliser le suivi. Petit patience. Bon, ok, qu'on a mis des mémoires. Et bon, ce petit socket mémoire. Positionner mémoire et puis vous mettez le bonbon application qui met c'est ça pour m'installer. Ok, on va avancer toujours. On va avancer. On va avancer. Ok, on va disposer de mémoire. On va disposer de mémoire à Kounia. On va aller ouvrir mémoire. Ok. Cliquez sur menu. Cliquez sur mémoire. On ouvre. On y a un dans folder qui a une application m'a besoin. Premier ça m'a fait m'a installé un launcher.
Donc tu ça qui est les slide bas. Tu me finis d'installer. Déjà qui chargeur pour qu'on petit charge parce qu'il n'y a pas une quantité de charge. Bien arrangé chargeur. Ok, maintenant, ouvrir. Là, c'est même à côté, nous avons le launcher. Nous avons le slide bar. Ok, ça c'est l'application qui est en dedans. Mais ce n'est pas le plus important, je vais tourner et puis je vais l'installer. Ça nous est Apex Launcher. Je vais installer Apex Launcher. On fait ça, ma frère. Je vais installer ma petite note. Tourner note. Je vais installer un autre launcher. C'est Apex Launcher. Comme quand tu es directement dans le menu téléphone, Apex Launcher. Ok, qu'on y a les bonnes permissions, les fins nouvelles pour m'entrer dans le menu téléphone. Mais qu'on y a là, on va installer cette application que m'a bien besoin. Ok, qu'on y a mal directement dans paramètres téléphone là pour tourner dans stockage encore storage. On a ouvert 4 mémoires pour mal installer l'autre application qui est nécessaire pour retirer ID téléphone. Mal dans folder qui est le FAP, c'est la dernière application. Oui, ouvert folder. M'a besoin Google Play Service. Ok, qu'on a installé l'application Google Play Service là. Ok, là il finit d'installer qu'on a. On va l'installer une autre application encore. Ok, il finit d'installer qu'on a sorti, on va prendre une autre application qui est le Google City, GS APK. Il y a des logos à bien Google City. Là il finit d'installer qu'on a ma rentrer directement. Dans Google Sidigna pour mal faire ça, m'a fait. Ok, nous voilà. Ok. Mais application Google Sidigna, nous avons téléchargé sur Play Store. Mais application Google Play Service, nous avons téléchargé sur Up to Down. Ok. Tournez. Nous cliquons sur Siding. Ouais. On va le connecter là avec un réseau Wi-Fi. Il y a ma patrie mot de passe Wi-Fi.
Ok, maintenant, mot de passe Wi-Fi, il faut connecter. Ok, mais ça n'a fait. Nous allons aller dans le téléphone. Nous allons faire setup Neighbor Device. Donc, on va chercher l'autre téléphone. Non? Il y a un zéro. Ok. Searching through device. Delphine vient de nous. A tout fait connexion avec elle. Et puis c'est comme ça nous parler ici à Idia pour plus facile. On va le searching from. Comme normal pour jeune, nous tenons, nous faisons paramètres la net, nous cliquons sur Google là. Je vais setup Neighbor device. Get started. Bon, il file pas. Ok, on a un connecting to your device. On va connecter avec elle. Tu fais même faire? Et ça y est, je couvre le film, je fais un mille. Je fais un mille, je ne peux pas connecter. Ok. Je vais couvrir un 40. Je vais couvrir contre l'angonia sur l'autre là. Ok, on a demandé un mot de passe. Compte qui était sur l'autre premier téléphone, non? Qui était sur téléphone ça? Compte qui sur téléphone ça qui a copié sur l'autre là, on m'a vendu un mot de passe. Je suis pas venu à mot de passe, non? C'est elle. Ok, on a fini un mot de passe là, on m'a fait signe et tout ça. La coupe encore là. Nous allons le bas en flèche tête en bas. Nous allons le compte là. Nous allons vérifier est-ce que compte là en copier. Nous allons aller sur Gmail. Téléphone ça pour regarder est-ce que compte là en copier. Nous allons aller sur Gmail. LKS, the best swag, nigga.